Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dying Light avec Katox et Katox. Salut. Alors on a passé vite fait la nuit histoire que ça soit fait. Je vois que t'es déjà parti à piller toutes les bagnoles. Je pille pas. Alors, voitures, il paraît que le bureau de poste est pas très loin. Courez. Ah merde, il y a un destructeur. Bordel à cul, il va me balancer de la caisse dessus. Ah, le bureau de poste est là en plus, va falloir tout nettoyer. Il y a un truc qui me vomit dessus. Il y a un démolisseur et un truc qui pète quoi. Il est où le vomisseur là? Je le vois pas. Doudoubé. Putain. Crève. Aïe. Ah, c'est costaud aussi cette saloperie là. Ouais, qu'est-ce qu'il tire dessus? Ah mais merde, moi c'est l'autre qui est enflammé au sol là. Putain, il a réussi à grimper le connard. Merde, est une belle saloperie encore ce truc. Raté. Putain, ils sont efficaces hein. C'est increvable hein, ces trucs. Hein. Et alors pendant ce temps-là, t'as gros la moitié de la map. Yep. Et des morts. J'ai bien joué. J'ai calé toutes mes balles dessus, mais. Ouais, j'imagine. Bon, maintenant faut se débarrasser du menu fretin. Ah, j'avais oublié qu'ils étaient explosifs mes shurikens, excellent. Putain, ils sont tellement costauds quoi. On est fou, le menu frottin. Il y avait de la petite saloperie là-dedans. Il m'a semblé en voir un à gauche, non? J'en ai vu. Voilà. Voilà. Mettons fin à ces souffrances. Souffrance, ça peut le dire. Hop là, il a plus de tête, je peux pas lui écraser sa tête. C'est pas possible. Tu bluffes, jeu. Tu bluffes, Martin. Bon bah encore un petit peu de loot qui traîne. Hop, un petit kit de soins, kit de soins. Le vieux scavenging de Gorée quoi. Ça. Tout c'est t'as pas du tout. T'as pas du tout de respect pour les morts quoi. Là non. Hein. Ah mais c'est pour ça que ça a pété ici tout à l'heure là. C'est parce qu'il y a plein de carburant partout en fait. C'est pour ça que ça brûlait lamentablement. C'est marrant, il y a un cadavre propre ici, non? C'est rare. Parce que c'est le cadavre pour cacher les clés du fourgon. Ah, pas bête.
collier garé du garçon. Parfait. Alors pendant qu'on y est, on fait les quêtes là. Il y a quoi proche? Je regarde, alors ça. Elle ça c'est dans la... c'est dans la zone là-bas. Ça aussi. Bon, les trois ils sont à donner dans la... là où il y a Jazir donc. Dans le terrier du lapin, détruire les trucs du rapace. On serait pas trop loin de. Ouais, on peut passer voir Bilal vite fait. Pendant qu'on est là. Allez. Juste aller récupérer les voitures du coup. Ouais, ouais du coup, ouais. Go, 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 go. Ça passe pas. Ça passe. Juste, pile poil, ça passe. La tyrolienne du coup, elle était là. Aïe. Alors, un petit peu de plein. Large. La nitro. Je crois que t'as encore aggro la moitié de la map, c'est celle qui me... Aïe. Ah non, y'a un event. Ouais. Je pensais que l'event c'était la zone de zombies, mais non, l'event c'était le mec qui tirait au fusil dedans. Ah oui, j'avoue. Très bien. Et là ça fait ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, mort. Ah ouais, là dans la bagnole pour le coup on n'est pas équipé pour résister à ça là, j'avoue. Bon bah... Oh, on apparaît dans un vieil affût de chasse à l'autre bout du monde. On a pas fait ça pour rien, on a gagné une boîte de conserve. Ça valait le coup. Yes. Bon, il est où le mec là? 140 mètres, super. Parfait. Non, non, arrêtez-vous, ça suffit. Pourquoi ils sont aussi écartés que ça nos voitures hein? Ça n'a aucun sens. Voilà. Tu l'as shooté de mort, c'est ça? Une balle de mort. Alors, il est où le connard qui nous allumait là? Mais il est mort. C'est les deux qui sont par terre là. Ah, je suis arrivé. Je suis arrivé, j'ai fait paf paf. Allez, voilà, couché. Vous avez pas d'armes à looter? Scandale. Quoi, c'est tout? Genre les deux gars ils étaient juste là et ils faisaient parlotte. Ils faisaient parlotte sur leurs bottes de paille, écoute, hein, c'est, un peu, c'est important les bottes de paille. En fait on a tué Brockback Mountain quoi, c'est tout. C'est un peu ça ouais, truc totalement gratos. On faisait pour remettre de l'essence. Chemin de campagne. Je sens qu'il était en vide quand même le mec. Ah bah ouais voilà. C'est mieux. Hop là, un petit commerçant. Qu'est-ce que tu nous vends? Poids lourd. Pourquoi pas. Fusil à peinture. Fusil de chasse. Il n'y avait pas moyen de... Je me souviens plus hein, de comparer les objets. Oh, tant pis. Moi j'ai un fusil camouflage qui fait 911 de dégâts et lui il me propose quoi? 911 mais avec une bonne cadence de tir ici. La cadence de tir là c'est combien? 30, pardon, c'est mieux encore. Alors ça, Merlin lourd, on s'en fout. Balava, là je peux faire un truc, je suis sûr que je peux faire mon truc tronçonneuse là, avec ça. J'ai un super... voilà le bourdon tueur hein, pour le plaisir là. Voilà, ça c'est beau. On va le mettre en deux tics. Et d'ailleurs là, je peux peut-être mettre des améliorations. Comment ça marchait déjà? F6,
améliorée. Voilà, on peut mettre un truc là. Il y a des caisses qui viennent de tomber quelque part, un avion qui vient de se barrer. Hop là. Ah oui, t'as raison. Tu veux qu'on y aille? C'est ouf. Oh, c'est loin. C'est loin. T'es parti dessus ou pas encore? Non, pas encore. Non, parce que je les vois pas en fait. Pas pourquoi. Ah oui, tu les vois pas? Attends, elles sont là. Oh, tant pis. C'est dans la cambrousse. Allez, allons voir notre ami Bilal. Coucou. Livrer la caisse. Thanks, ah oui. This is exactly what we needed. Alors. Prends tout. Pas d'emplacement libre. Putain. Je sais pas tout ce que ça fait ça, mais il arrête pas de me dire qu'il faut que je les échange, alors on va échanger les bordereaux. Et j'ai eu des trucs rois. Parfait. Très très bien. Hello, what's the deal with this racing stuff? I've seen some weird posters. Oh man. I miss a good engine's roar more than running water these days. I was a champion once, you know? 5 times, back to back. But hey, you just gave me a brilliant idea. Listen, I'm going fucking insane in this place. Everyone's depressed all the damn time. Let's have fun for once, huh? What do you mean? Let's set some engines on fire, man. I have it all figured out. You'll be the comme next on n'arrive pas à rouler droit. Well, comme prince un champion mort. So, remember to fuel and repair your ride, and then just drive to the beach outside town. And give me a. Ouais. Non, pas de course. Bilal, Jazeer says you can tell me why the power is down all over the place. Ah oui, le courant, ça c'est utile. We're working on the problem. You want to help us out with it? So what do I have to do? Les zones qu'on peut pas activer. Get this fuse to Ali at the plant. He can't do shit without it. Once you get the fuse to him, we'll get the power back. If he can keep from electrocuting himself, I mean. Guy thinks safety precautions are for pussies. I did see a guy trying to dig a broken light bulb out of the socket with a steel screwdriver while the power was on. Yup, sounds like Ali. He means well anyway. So, listen friend, 2 things need to happen. One, like I said, get him this fuse. 2, we need a working insulator. Or the fuse blows as soon as he flips the switch. He says the old ones will hold, but... Mm-hmm. Ça me paraît une quête intéressante. Il y a des trucs là aussi. Ah, ça c'est la super maison. La maison invincible. Il a été tout seul à la centrale électrique pour remettre le courant. Quelle bonne idée. Totalement responsable. Alors, trouver un isolateur, bah c'est juste à côté de la safe zone d'où on vient, putain. À l'enfer. Alors, Titine, t'es toujours là, Titine? Allez, go. Parce qu'il faut que je rappelle ma voiture. Peut-être prendre un essayer de mettre des petits. Même le petit chemin, il galère. Oh! Ça dit, c'est bien fait, hein. On peut dire le contraire. Hein. Franchement, la sensation de conduite elle est là. Ah, je suis d'accord. Ouais, j'ai pris l'amélioration pour avoir plus de solidité dans l'habitacle. Pour avoir plus de quoi? Solidité dans l'habitacle. C'est cool, ça. Ah, tu prends trop. Alors, il va falloir qu'on grimpe en haut cette tour. Et il y a plein de zombies. Parfait. Machin. Putain, mais t'es coincé, débile. Ah, casse-toi. Idiot. Ah non, mais là, complètement idiot, là, il n'y a pas d'autre monde. Et qui reste coincé entre sa voiture et les zombies, quoi. L'idée de merde, déjà. Salut. Aïe. Oh non. Plus grand monde, c'est bon.
Alors, faut qu'on monte là-haut. Je propose de déjà prendre un peu de hauteur par ici. Toi aussi t'as essayé de prendre le truc et tu t'es retrouvé dans le vide. Quel personnage incapable. Alors moi je veux bien essayer d'aller là mais... Où est-ce qu'on va après? Ah ouais. Voilà. Et après je sais pas. Bah ouais, c'est un peu ça le truc quoi. J'ai l'impression que c'est plus ou moins scripté pour qu'on puisse pas utiliser le grappin. Oh, t'es suspendu, c'est trop mignon. Et après il y a une corde là, éventuellement, je sais pas si tu peux la choper. Derrière toi, à ta gauche, à ta droite. Ah, c'est bon. Non, ça sert à rien, ça se resserre vers le haut de façon. Ah, si mais tu déjà... peux. Ah putain, quel homme. Je sais pas du tout où c'est ce truc. Ah, ça doit être. Genre, l'endroit pas du tout pratique d'accès. C'était pratique d'accès, hein. Ça se saurait. Ok, on est tout en haut. Nickel. Et après ah. On ramasse un truc comme ça, c'est un isolateur, ça, non? Après, je vais où? Attends, je te le fais tomber par terre. Parfait. Maintenant, on va descendre par là. Maintenant, tu peux venir me ressusciter parce que je suis tombé. Ah là là, mais franchement, mais à qui ça arrive? Utilise les sacs bleus. Je ne te comprends pas, moi ça ne m'arrive jamais. Non. Tiens, il est là le machin. Hop. On sait jusqu'à là. Voilà, ça c'est fait. Alors, ça c'est la mienne? Ouais, ça c'est la mienne. Alors du coup, moi j'ai quoi comme amélioration? Que dalle, que dalle. Moi, la belle voiture que j'ai. Bah ouais, carrément. T'as trouvé ça où, quoi? C'est un point de compétence qui t'a donné ça? Ouais, le point de compétence pour améliorer l'habitacle. Je le veux pas, moi. C'est niveau 4? Ah oui, habitacle renforcé. Nécessite le niveau de pilote 4. Putain, tu m'as doublé. Là, pourquoi j'avais acheté des améliorations de moteur et tout, là, non? Hop. Okay. Hop, des freins de L3. Allez. Allez, quand même. Un petit peu de trajet. Vas-y, je te suis. T'as pris le temps de regarder la carte. Non. Au talent, vas-y. Au talent. Mais quoi, on a un peu de trajet? Non. Putain, mais je te rattrape, c'est ouf. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah oui. Ah, c'est un cul-de-sac. Merde, c'est un lit de rapace. Il va mourir dans sa cabane de chasse. Encore deux péons autour de lui. Où est du peuple? Voilà. Ouh. Il y a deux péons, c'est bien ce que je dis quoi. Où il y a du peuple? Aïe 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 aïe, c'est bon, je passe à travers. Thanks, stranger. If you hadn't shown up, I would have died, and I never would have seen the coming of the God of the Sun. Tu serais mort et t'aurais manqué l'arrivée du Dieu Soleil. Eh ouais, ça aurait été triste. Merde. Bordel. Du coup, toi aussi t'es mort ou pas hein? Du coup, t'as été faire quoi en fait? Parce que moi, je suis parti vers le barrage. Bah j'ai été sauvé le mec qui est mort de soif là. Ah ouais non moi je te parti pour le c'est moi là. Ouais moi il était pas loin. Allez go, on va trouver la route sans trop se bouffer d'armes de préférence. Je tourne à la carte. Ah oui effectivement il est hyper loin. Purée. J'arrive.
lucky you have my two kids with me. Daddy, did you hear that? Someone's coming. Hey, somebody out there, please. We need help. On peut passer, par en dessous. Please, don't leave us here on our own. Vas-y, aide-le, j'arrive. Ce buggy, hein. Oui, monsieur. Je suis en train de lui faire faire. Hein. Ça sur le faux fil, ça passe. Ah, ça sonne en max. Soi-disant, il y a une route en bas. Ça passe. Route. Merde, ça c'est une putain de barrage. Hein. T'es près de la maison, près de la rivière machin là, faut rien avoir. Je sais pas du tout où c'est en fait. Le mec qui disait ouais machin, aidez-nous. Ah bah je crois que t'es pas loin ici, ça y a un truc qui s'est pinté là. Ah mais le truc qui s'est pinté c'est ça là bah, ah oui non, ça. Endroit inexploré. Qu'est-ce que ceci? Merde, ça c'est un mur en pierre ça. Qui c'est qui met des murs en pierre dans ces champs, sérieux? Ça suffit les idées de merde. Hein. Je suis là-dedans. Quoi. Ah oui, c'est une safe zone. C'est bien pourri comme coin. Pourquoi il te braque lui? Quoi? C'est pas rentré? Le mec il nous dit au secours je vais mourir et après il te braque là? Oui, comment on rentre? En défonçant tout. Il aura des problèmes d'infiltration mais c'est pas mon problème. Il y a comme des bruits de zombies pourtant. Apollo! Il a pas l'air de voir. Ah oui, j'avoue, qu'est-ce qu'il fait? Il a pas l'air de vouloir beaucoup parler. Il doit manquer un truc pour sécuriser la maison, du coup, il veut pas lâcher la fenêtre. Mais ouais, t'es de l'autre côté de la fenêtre, je te vois. Effectivement, ça grouille. C'est terminé, non? Non bah la zone est pas safe donc il doit y avoir un truc à faire. Je vois que ça nous a mis une quête là. Aïe. Ah attends bah oui. Fermez la porte. Ah. Je suis bloqué putain, j'arrive même pas à retrouver comment fallait faire pour remonter. Pour descendre vers la porte. Tu as toute notre gratitude. Ça s'appelle Millie. We don't really have anything to give you, but at least treat this home as your own from now on. This house is your house too now. Place to rest can be a real lifesaver. Thanks. Putain, ils sont vachement bien équipés mine de rien dans ce par rapport à Aaron quoi. Ouais. La campagne, ça rapporte. Hein. Ouais. Pas rentrer dedans. Par contre, tu veux aller de côté là, non? On la route. Ah putain, comment ce zombie m'a complètement fait dévier. Absolument pas de gué. Ben, je me suis retrouvé dans la. Enfoncé, noyé dans la flotte avec mon mec. Heureusement que j'ai pu faire un petit réinitialiser la position. Yeah. On peut tourner là, c'est un crachard ça. Tiens, le gris,
barge. Peut-être qu'on va me cracher dessus. Aïe, j'ai trouvé la route. J'ai réussi, le bâtiment m'a fait dévier. Arandal. Ah bah ouais, on le voit le barrage. Aïe 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 aïe. Ah, ils sont vénères, ils sont vénères, ils sont vénères, ils sont vénères, ils sont vénères. Ah, ouais, j'avoue, ça c'est un explosif. Aïe. Il y a un pont là. Il a l'air bien ce pont. On va se faire une image sur le nombre de zombies que j'ai éclaté en passant ici. Je crois que si tu veux te faire des. Enfin faire des munitions, il faudrait se stopper ici. Lui, il va. Tu penses qu'il y a des munitions qui traînent? Bah partout, hein. C'est un poste de. Un ça, poste c'est de soldats. C'est un truc silas donc. C'est un truc pour les bagnoles. Bah, tu me surveilles, je crochette. Non, c'est moi le proms. Ah, j'ai vu le crocheter. Pièce de moteur. Ça, c'est pas une caisse, ça si. On est sur le pont. Inventaire plein. Merde. Tu veux pas le prendre? Vas-y, merci, prends-le. Je vais pas te fouiller le moteur militaire parce que c'est. Ça rapporte. Ouais, je vois, je vois. Ah, il y a un gros tas avec un marteau là-bas. Est-ce que je peux utiliser ma super, mon super nouveau marteau à tronçonneuse là? Mais ça me va. Où est ton gros tas à marteau? Il est là. Cette violence. Le mec il tourne en rond sur lui-même quoi. Ça fait même pas autant de dégâts que ça, c'est terrible. Aïe. Qu'est-ce que je vois ici? Oh la vache. Ouais, ils sont toujours aussi violents. Bon. C'est tout nul ce truc, comme je m'y attendais malheureusement. Moulin est mort. Ouais bah je lui ai mis des petits coups de tronçonneuse tout à l'heure, je vois que ça, ça y est, j'ai quand même fait un peu de taf. Mais bon, les armes à deux mains, c'est vraiment pas mon truc. J'ai des points de compétence non utilisés. Ah bah voilà, j'ai eu mon niveau de pilote. Je vais pouvoir prendre l'habitacle. Poseur de mines. On peut semer des mines sur notre passage. Les trucs quoi. Non, on va prendre l'habitacle renforcé. Le premier truc que j'ai pris, hein. Ah bah tu m'étonnes. Oh il donne bien en plus. Ah oui ça se met tout seul, il n'y a pas besoin de faire de trucs en plus. Okay. Ouais non. Ah oui ça c'est là. Habitat renforcé. Ok. Bon bah on n'est pas encore arrivé hein. Ouais. À droite. C'est à droite sur la route par contre. Oh là, mais quel enfer! C'est un dérapage quoi. Ah,
y a un truc qui flambe ici. Je rêve ou tu m'as rentré dedans là? Il y a des soldats là. Des problèmes tout ça? Bah écoute, j'étais en train de me préparer à mettre un taquet à un mec et d'un seul coup je me suis retrouvé propulsé d'une manière assez peu conventionnelle. Je trouve que tu poses très vite des accusations. T'as vu? Oh! Ouais, quelque chose me dit qu'il va y avoir du lourd là. Il y a du lourd et du lourd. T'as fouillé les bagnoles? Non, pas encore. Ouais. J'ouvre un peu les caisses et tout. Du cosmétique premium sur un. sur un militaire, j'imagine bien se mettre du rouge à lèvres. Avec son petit sac à main Gucci. Moi j'ai eu 8 balles, te plains pas. Allez là! J'entends quelque chose qui crie. Tiens, d'ailleurs, on peut l'améliorer l'arbalète? Non, pas si des plans, on ferait une arbalète, mais. Genre, arbalète fou. Non, mais tu sais, je me demandais, est-ce qu'on pouvait lui mettre un module dessus ou un truc du genre, mais non. Bon. Il y a une grande caisse là si tu veux. Avec des munitions militaires et tout. Inventaire plein. Oh. Ouais, il est un peu plein aussi mon inventaire. Enfin, pas que j'oublie de jeter des trucs. Non mais ça c'est de la merde. À récupérer. Ça fait quoi récupérer? Ah, ok. Hop, on dépose. Merde, non mais les 10. Sois pas con. Ça on va le garder les mines. Ouais, un bouclier. Qu'est-ce que je fous de deux boucliers? Déjà un seul bouclier, j'ai du mal. Alors tu me dis qu'il y a du monde, c'est ça? J'adore le truc en mode faut foncer dedans avec ta bagnole, sauf qu'il y a comme une barrière pour t'empêcher de passer quoi. Ouais. Ça me rappelle la fameuse quête de la. Tu te souviens pas de cette super quête là? On avait fait griller dans un aussi avec le. La centrale électrique où quand tu l'allumes là, il y a plein de trucs partout et. Ouais, tout est grillé. Bon bah. Faut trouver Ali. L'échec quoi. Y'a pas d'autre mot. Moi je tue tout. Hein. Toi tu tues tout, d'accord, très bien. Ouais, ça a attiré personne. Ça suffit. Putain, ils sont insupportables ces mecs. Du loot. Ils courent par là-bas. Alors, du coup, il est où Ali là? Il est là-bas, en dessous. Ok, en dessous, genre pas trop en dessous. Genre là. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, jeu? Ah putain, mais oui, c'est vraiment lui, il est là quoi. Il est là avec un sans-visage à côté qui protège des zombies en faisant des prières. Sérieux quoi? Et ça marche. Incredible. What the hell's going on here? Well, if it isn't Kyle Crane, great to see you. Ah, mais c'est Ali, mais oui, c'est clair, c'est Ali. This is the mother's blessing. He's one of the faceless. Great, I need to ask him something. Don't you dare disturb him.
His prayers are what's protecting us, don't you understand? Okay, okay, I won't bother him, but... I do have something for you. Bilal sends his best. That bastard. So that's it? You're gonna get the power running? Need anything else? Actually, yes. Since you offered, when this ancient piece of shit broke down, the main transfer switch must have thrown. It'll need resetting. Where is it? Inside the dam. But I'm pretty much done here, so... Mother is good. Mother is lying. Et bah écoute, on rentrera dans le barrage lors du prochain épisode. On va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on en saura bientôt plus sur ces 100 visages. Et on se dit à très vite pour la suite, merci à toutes et à tous. Salut.